Hello. In this video, I'm going to tap on some of my favorite books, and I'm going to read a few pages, even though most of them are in French, but I'll try and put English subtitles when I can. If I can, I will try. I promise. So the first one is Les mots de Jean-Paul Sartre. So I will read the first page. En Alsace, aux environs de 1850, un instituteur accablé d'enfants consentit à se faire épicier. Ce défroqué voulut une compensation, puisqu'il renonçait à former les esprits, un de ses fils formerait les âmes. Il y aurait un pasteur dans la famille, ce serait Charles. Charles se déroba, préféra courir les routes sur la trace d'une écuyère. On retourna son portrait contre le mur et fit défense de prononcer son nom. À quel tour ? Auguste se hâta d'imiter le sacrifice paternel. Il entra dans le négoce et s'en trouva bien. Restait Louis, qui n'avait pas de prédisposition marquée. Le père s'empara de ce garçon tranquille et le fit pasteur en un tournement. Plus tard, Louis poussa l'obéissance jusqu'à engendrer à son tour un pasteur, Albert Schweitzer, dont on sait la carrière. Cependant, Charles n'avait pas retrouvé son écuyère. Le beau geste du père l'avait marqué. Il garda toute sa vie le goût du sublime et mit son zèle à fabriquer de grandes circonstances avec de petits événements. And now, some tapping. Jean-Paul Sartre, Les mots. I'll read the back cover for you. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les révérais, ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque, où noblement espacé en allée de menhir, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Now, our second book is an absolute favorite of mine. I think I read it like 3 or 4 times. I think the first time I read it was when I was, I don't know, maybe I was 15. I was in high school. Belle amie, Maupassant. Belle amie, Maupassant. Maybe I'll read the back cover first this time. À qui Georges Duroy doit-il son irrésistible ascension? Aux femmes séduites par sa jeunesse et sa beauté. La petite fille de l'une de ses maîtresses le surnommera Belle amie. Et ce fils d'aubergiste normand à Canteleux deviendra baron du roi de Cantel. L'amitié lui ouvrira la carrière journalistique, l'amour lui donnera l'argent et la gloire. Maupassant a été journaliste. Il a connu ce monde parisien du XIXe siècle,
les salles de rédaction qui font et défont les ministères et leurs annexes, les salons mondains où naissent intrigues et liaisons, ces portraits de femmes dévorées d'amour ou d'ambition, ces tableaux de la vallée de la Seine à Rouen, ces fiacres, avenue du Bois de Boulogne, sont œuvres de peinture. Maupassant était un maître du récit. And I'll read for you. The first page. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de jolis garçons, qui s'étendent comme des coups d'épervier. Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois petites ouvrières, une maîtresse de musique entre deux âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue d'une robe toujours de travers, et de bourgeoises avec leur mari, habitué de cette gargote à préfixe. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche 3,40 francs pour finir le mois. Cela représentait deux dîners sans déjeuner ou deux déjeuners sans dîner au choix. Il réfléchit que les repas du matin étaient de 22 sous au lieu de 30 que coûtent ceux du soir. Il lui restait, en se contentant des déjeuners, 1,20 francs de boni, ce qui représentait encore deux collations au pain et au saucisson, plus deux bocs sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits. Et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette. Tapping. I can actually hear my dog trying to come in the room. If you're wondering why I'm tapping, not on camera, it's because the mic is down there. I don't know if you guys like fast tapping. I do. Maybe it's a bit too fast. Maybe I should do slow tapping. Next book is a book in English, yes. Sherlock Holmes, selected stories. I have a problem with S, always forget to pronounce S's. Sir Arthur Conan Doyle. So, back cover. Sherlock Holmes, that most clever of detectives, first moved amongst the gaslit, fog-filled alleys of the London underworld in 1887. The tall figure in deer's toga and long cape who solves impossible crimes with elementary deduction, to the amazement of his loyal friend and chronicler Dr. Watson, is still a favourite with lovers of detective fiction elsewhere. This selection contains his best and most famous cases, including A Scandal in Bohemia, The Speckled Ben, The Sign of Four, and His Last Bow. Okay.
This is actually quite a old book. It says here it costed £3.95. Quite cheap for good literature. Okay, so shall we read? First page. Silver Place. I'm skipping the introduction. Okay. I am afraid, Watson, that I shall have to go, said Holmes, as we sat down together to our breakfast one morning. Go? Where to? To Dartmoor, to King's Pyland. I was not surprised. Indeed, my only wonder was that he had not already been mixed up in this extraordinary case, which was the one topic of conversation through the length and breadth of England. For a whole day, my companion had rambled about the room with his chin upon his chest and his brows knitted, charging and recharging his pipe with the strongest black tobacco, and absolutely deaf to any of my questions or remarks. Fresh editions of every paper had been sent up by our news agents, only to be glanced over and tossed down into a corner. Yet, silent as he was, I knew perfectly well what it was over which he was brooding. There was but one problem before the public which could challenge his powers of analysis, and that was the singular disappearance of the favourite for the Wessex Cup and the tragic murder of its trainer. When, therefore, he suddenly announced his intention of setting out for the scene of the drama, it was only what I had both expected and hoped for. Intriguing. And now, some tapping. Still filming. Great. Still recording. Awesome. Sherlock Holmes. Now, our next book is a bit less funny or entertaining, I guess, but it's very interesting. Rousseau, Un discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. In the back cover, Rousseau fut persécuté de tous côtés, persécuté parce que inclassable, et s'il fut à ce point inclassable, c'est peut-être parce que dans un sens qui n'a plus rien à voir, cette politique avec la politique... Rousseau fut persécuté de tous côtés. Persécuté parce que... inclassable. Et s'il fut à ce point inclassable, c'est peut-être parce que dans un sens qui n'a plus rien à voir, cette fois avec la politique, il était quand même profondément révolutionnaire. Non pas par le contenu de ses thèses, mais parce qu'il refusait tout compromis, toute concession, toute alliance tactique avec les pouvoirs réels ou les idéologies existantes. So, if you want to sleep, Rousseau is perfect. Perfect, because if you're not completely alert and focused while reading Rousseau, you'll probably fall asleep. So, let's go to the beginning. Ok, first page. À la République de Genève. Magnifique, très honoré et souverain seigneur.
Convaincu qu'il n'appartient qu'aux citoyens vertueux de rendre à sa patrie des honneurs qu'elle puisse avouer, il y a 30 ans que je travaille à mériter de vous offrir un hommage public. Et cette heureuse occasion suppléant en partie à ce que mes efforts n'ont pu faire, j'ai cru qu'il me serait permis de consulter ici le zèle qui m'anime, plus que le droit qui devrait m'autoriser. Ayant eu le bonheur de naître parmi vous, comment pourrais-je méditer sur l'égalité que la nature a mise entre les hommes et sur l'inégalité qu'ils ont instituée, sans penser à la profonde sagesse avec laquelle l'une et l'autre, heureusement combinées dans cet état, concurrent de la manière la plus approchante de la loi naturelle et la plus favorable à la société, au maintien de l'ordre public et au bonheur des particuliers. This video soon because I am recording now, filming now, using light coming through my window, and this is the time of the day when the sun is, well, going down, so soon there won't be enough light to film. You appreciated the reading and the tapping. I don't do a lot of sound video on my channel, but I think, I don't know if you guys like it. So if you do, just tell me and I'll make more. Personally, I prefer ASMR. I prefer like roleplay, soft-spoken ASMR, so that's why I don't really dwell on sounds, but I mean, if you like it, just tell me and I'll definitely make more in the future. Thank you for watching and I'll see you soon. Bye.